Lazzaro. Delina, elle en a marre. Mais non, mais ça se fait pas. Enfin, comme ça, ça me dit que je me lève. Quoi? Ça me dit quoi? La salle, elle bouge. Elle raconte quoi sur sa chaîne YouTube? Ça. T'approches pas trop de Riway du coup. J'ai loupé ça, merde. Dernièrement, il a trop envie de galoper comme ça. C'est bien. Élé, mets tes doigts de pied sur les épaules de ton poney. Les épaules! Ouais, parce que plus je lui dis, et pire c'est. Parce qu'elle comprend pas. Élé, viens voir! Ah voilà. Allez, quand on a pris le truc hein. C'est valable pour tout le monde hein, d'ailleurs. Je t'avais dit que c'était sûr, elle avait pas compris. Et une fois que c'est bon, elle repasse au trot au pas, on la laisse souffler. Ah, c'est mieux, il est encore. Ok, donc là, ça s'appelle une reine régulatrice, la reine extérieure. Et on fait une légère reine d'ouverture avec la reine intérieure, donc là ce sera la reine gauche. Ok, donc on ouvre bien le poignet, on tire pas vers soi. On ouvre bien le poignet pour inviter le cheval et pas le forcer. Ok. Et s'il veut pas s'inviter? De quoi? Et s'il veut pas s'inviter le poney? Bah, est-ce que vous savez à quoi elle sert? À faire avancer le cheval. Ouais, donc à votre avis, comment elle s'appelle? Tu l'as dit l'autre jour, mais je m'en rappelle plus. Ouais. J'ai pas une très bonne mémoire. En fait, c'est les mêmes aides que pour le départ au galop. Donc c'est le même nom. La jambe extérieure? La jambe intérieure, non. La jambe d'un. Pull. D'impulsion. Oui, la jambe d'impulsion. Ah, parce qu'on a dit pas au trot au galop. Au galop? Bah oui. Au galop. Non, on enlève les étriers. Merci, Élé. Allez, enlève tes étriers. Je m'en fiche, enlève tes étriers, on est au pas pour l'instant. Et on fait ce qu'on a dit. Donc la jambe gauche à la sangle. On ouvre la main gauche, on tend la reine droite, on recule la jambe droite. Et je viens... Vous voilà, ok. Parce que voilà. Elle a pas d'impulsion comme moi. Mais bon, c'est... En fait, ça paraît facile, mais ça n'est pas, parce que déjà au niveau, moi je trouve au niveau de... Quand on est assis sur le cheval, on n'a pas d'impulsion. Ça manque un petit peu d'impulsion, mais ça va. Oui, non, attends, je vais te juste que je mets là. Et pareil, elle est comment vivre par rapport à l'extérieur. Oui, voilà, moi je fais comme ça. Lui c'est un bébé du coup, tu lui demandes pas tout le temps, tu lui demandes en discontinuité. Dès qu'il a compris, hop, t'arrêtes de demander, tu grattes. Elle a dit ça. 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 Elle a d
gauche. Vous allez remettre vos étriers en restant en 3 assis. Et départ au galop à vous. Attends, j'ai perdu un étrier. Donc je vais quand il fait froid. Ouais, c'est plus vraiment du là. J'en ai deux. Vous pouvez aller faire le tour du camping si vous voulez. Oh, ouais. Non, pas avec Eden. Thank you.